Bonjour monsieur le ciel, j'espère que vous allez bien. Moi c'est entre deux aujourd'hui, mais ça va aller, on va tenir le coup. Vous voyez que je suis pas dans mon décor de d'habitude, c'est parce que j'ai mon PC qui est en panne et il vient de partir chez le réparateur. Et du coup, vous allez entendre la bestiole qui me casse les bonbons. Je reviens, je suis de retour. Je vais m'occuper de ma bestiole et aujourd'hui on est là pour s'ouvrir la Weebox que j'ai reçue il y a, je crois que c'est hier, on est mardi, je l'ai reçue lundi, oui c'est ça. Du coup on va s'ouvrir ça, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai un peu triché cette fois-ci. Voilà, du coup je fais comme d'habitude, je la mets ici à côté de moi. Oh c'est pas possible, voilà. Du coup, le petit formulaire, il est comme ceci et c'est... Vous voyez le nom? Voilà, je mets ça de côté. Du coup, j'ai pris le premier que j'ai vu. C'est du coup un agenda... Enfin, un petit cahier qui va me servir. Puis les ciseaux qui jouent juste à côté. Voilà. Aujourd'hui, les animaux m'ennuient. Voilà. Et je viens de voir que mon chéri a envoyé un message pour me dire ce que mon PC a. Mais c'est pas grave, je le dirai après. Je retire le plastique. Voilà, du coup, il est trop beau. Il est tout doux, le... Oh, c'est des quadrillés dedans. C'est super, je pourrais mettre mes livres dedans. Oui, c'est ce que je vais faire. Mettre tous mes livres dans celui-ci. Même si ça m'intéresse pas des masses. Mais c'est pas grave, le cahier m'intéresse. Enfin, tous les youtubeurs aiment bien les cahiers. Et j'aime bien parce que pour le moment, la box commence à venir un peu plus... Il y a moins de conneries dedans. Du coup, c'est ça qui est pas mal. Bon, je voulais trouver les pins. Parce que il y en a deux cette fois-ci de pins. Mais il y a celui du mois passé. Du coup, je vais vous montrer celui du mois passé. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'ils ne recevaient pas les pins pour le moment. Il les recevait en retard avec le problème du confinement. Du coup, celui du mois passé, il est trop beau. J'aime bien avec sa petite sucette. Il est trop beau. Et l'autre, je crois, j'ai pas regardé dans le catalogue, que ça vient de. Bon, tu as fini. Pas bête. Les trois sorcières. Ça, ce serait pour mon chéri. Je sais pas si vous allez vraiment le voir. Oui, là, regardez. Voilà. Voilà. C'est les trois sorcières les plus. Elle se barre avec le t-shirt de mon chéri. Parce que il n'est pas pour moi ce t-shirt-là. Du coup, je vous prends l'autre accessoire. Je le retire tout de suite du plastique comme ça. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Et je disais que la box était un peu mieux parce que on a eu un livre qui peut toujours utiliser. Et on a une gourde qui est de Star Wars avec D2. Ne me demandez pas les autres parce que j'aime pas du tout Star Wars. Mais la gourde peut toujours servir. Elle est comme ceci. Et je crois que c'est tout le monde qui a la même. C'est une... Ouais, vous levez là. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Ça pourra servir quand j'irai au sport. Ça, c'est bien pratique. Et on va faire le t-shirt. Je vais vous mettre comme ça. Vous verrez pas trop comme ça. Moi, je sais c'est quoi. Je vais le déballer. C'est un jeu vidéo. Il est pas mal du tout. Et je crois qu'il va pas faire long feu dans l'armoire de mon chéri. C'est de Nintendo. Le jeu. Le nom du. Et c'est. Voilà Zelda. Il a l'air petit le t-shirt, non? Voilà la jolie. Enfin. Zelda. Enfin, c'est pas Zelda, c'est Link, lui. Mais enfin, soit. On dit toujours Zelda, mais Link, il est trop beau. Il a une fleur en main. Il est trop trop beau.
Je crois que mon chéri va craquer. J'ai craqué pour son t-shirt. Et pour la figurine, est-ce que c'est une pop? Est-ce que c'est une kifik? Qu'est-ce que ça peut être? Moi, je sais, je l'ai en main juste ici. Et c'est une... Je sais même pas si c'est une kifik. Logiquement, oui. C'est QM. C'est des nouvelles, je crois. Voilà. Ah, vous n'allez pas la voir. Dommage. C'est con, ça. Voilà, on la voit. Hop, là. Je vais la déballer pour vous la montrer. Voilà. Hop. En allant doucement parce que je vais pas la garder. Je pense que je vais la mettre à demander si ça lui intéresse avant à quelqu'un. Heureusement, je vais la mettre en ventre. Voilà, Harry Potter fleur. Moi je l'appelle comme ça avec sa baguette. Et alors, vous voyez les, je sais pas si vous allez bien voir les chairs comme ça se donne. Voilà. Il est trop beau. Voilà. Je vais la remettre dans son étui avant de la casser. Voilà. Du coup, je la remets dans sa pochette. Je vais faire comme d'habitude. Dites-moi en commentaire laquelle item vous préférez. Je trouve qu'il y a moins... Enfin, il y a d'items moins... Moi, cette box ici, elle me... Voilà, entre deux pour moi cette fois-ci. Mais je pense quand même que pour moi, le carnet... le carnet... La figurine, parce que voilà, c'est quand même une belle figurine. Même si je suis pas trop fan d'Harry Potter. Oh merde, j'oublie à chaque fois un truc. Je crois que c'est les deux items que je préfère le plus. Et vous, dans les commentaires, dites-moi quel item vous préférez. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Sur ce, s'il veut bien finir, je vais vous montrer dans quelques minutes la box montée. Oh bon. Je ne sais pas pourquoi, mais pour le moment, elle ne veut pas. Voilà à quoi elle ressemble. Du coup, sur le côté, il n'y a rien de spécial à part des petites... Là, derrière, il n'y a rien de spécial non plus. Sur le côté non plus. Et la peine non plus. Il y a juste que devant ici. Il y a juste ça. Et derrière, il y a des... comme ceci. On met des prises et tout ça. Voilà. Vous voyez, j'arrive même pas à le rentrer. Je n'ai pas bien monté. De toute façon, je ne garde plus les box maintenant. Avant, je gardais, mais c'est une montagne de carton pour rien. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.